morning, nous content avec vous toujours chaque matin et là qu'on y a pour recevoir nos amis, on moun pawe longtemps. Enfin, l'aime dit pawe longtemps et nous parler, nous connecter, etc. Mais face à face, nous gen longtemps, gen plus que depuis 2019 moi Fabienne est face à face et Covid fait que nous collaborer en pile sur en pile projet tout au long de l'année mais en virtuel. Dernièrement, elle fait un faux bon pour me dire ça et pendant que Canada. Donc on est Fabienne Cola extrêmement occupé, me comprendre ça, me connaît le temps pas m'arriver, m'a définitivement joindre. Nouvelle est sorti dernièrement que Fondation Fabienne Cola ou bien Fabienne Cola lui-même recevoir un don de 3 millions de dollars pour lui créer un institut qui c'est FastWave qui prend là pour aider renforcer capacité des communautés qui pas représentées assez dans cinéma et au Canada. Mais en fait, nouvelle ça grand pile monde qui prend on l'a dit grand pile monde qui gain question que a posé et puis moi aller Fabienne moi dit Fabienne en nous causer sur ça, vienne ban nous détails sur 3 millions de dollars ça qui peut-être prend plus ou bien pour nous connait qui ça quoi le fait la donne et comment peut-être puisque Fabienne c'est fierté communauté haïtienne dans Montréal et en Haïti, comment ça Fabienne devenu ca utile communautaire. Fabienne, comment y est? En forme, oui, Karel, je suis tellement content de l'avoir aujourd'hui. Hein? C'est un plaisir pour moi, merci pour l'invitation. Je suis content avec vous tous. Premièrement, je vous compliment. Et Fondation Fabienne Cola a gagné deux festivals dans le mois de février à la Capoulé. Nous avons gagné Toronto Film Festival là, qui a fait, et puis Halifax, ça va commencer et tout de suite après. Je vous connais parce que, bien sûr, je travaille avec vous sur le projet SAO. Avant de arriver sur la raison que nous avons fait interview à la Konya, dis-nous. Qui sa fondation Fabienne Cola a réglé et semaine ça? Est-ce que y a un nouveau festival? Est-ce que c'est même festival yo? Qui différence qui y a un festival yo? Comment adapter nous dans Covid? Bam tout détail. Mon cher, effectivement, au point des mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs en Amérique du Nord, au moins, parce qu'on est de l'autre côté, dans le monde, si on fait le mois de l'histoire des Noirs, dans la même l'heure. Mais le Canada, son groupe a gagné le mois de l'histoire des Noirs. Donc, pendant le mois de février, nous-mêmes, la Fondation Vénicola, nous organisons trois festivals. Donc, trois festivals, nous avons le festival film de Toronto, à Coffin, non, mais là, et bien, lui-même, il faut dire, c'est le dernier jour festival, nous avons fait d'activités pour les enfants, nous avons plusieurs films, nous avons 200 films, mais il y a des films même pour les enfants dans Petit Mounio, dans le festival. Donc, on qui a besoin de regarder, il y a un peu l'activité gratis, tout, et puis il y a un pareil qui est accessible au monde entier. Donc, il y a aller sur torontoblackfilm.com. Pour semaine pour ça a couvert là, Nabral a commencé avec un festival qui est Fondue au Noir. Oui. Fondue au Noir, c'est à Montréal. Donc, les mêmes sont séries d'événements gratuits et payants. Donc, nous gagnons majoritairement événements gratis. Et puis, nous gagnons quelques événements cinéma, théâtre qui sont payants, eux-mêmes, pour acheter un billet. Mais sinon, c'est en ligne. Donc, nous sommes capables vraiment d'aller sur fondueaunoir.ca. Et puis, pour être capable de prendre toutes les informations, participer, regarder, etc. Nous sommes très contents que nous-mêmes nous rejoignons. Nous, puis quand il y a ici, qui participe à la Fondue au Noir en tant qu'artiste, tout, artiste, musique et tout, ça, trois calendriers gratis. Après ça, dernier festival que nous avons pour moi, l'histoire des Noirs, c'est toujours cette semaine que ça a commencé tout. C'est le festival Film Black Halifax, donc ça commence en même temps avec Fondue au Noir. Et dès mercredi, jeudi, là. Et puis, nous qui besoin de plus d'informations, on va aller sur Halifax Black Film. .com. Donc ça, c'est ça nous côté pour public là. Pour mois de février seulement. Pour mois de février seulement. Après ça, on a continué avec l'autre planification pour les festivals. Et puis, pour moi, mais peut-être que ça va bien faire tout le festival ça. Par contre, j'aimerais répondre à la question ça en passer. C'est parce que, malgré que tu as expliqué tout le bagage, mais pour me faire une histoire courte, c'est que l'important pour le monde qui est noir, pour l'artiste qui est noir, pour monde qui a un film sur réalité noire, joindre des plateformes, joindre des festivals qui peuvent accueillir à bras ouverts, qui peuvent toute place là. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui peuvent vedettes pour le festival. C'est ça que nous voulons faire. Et c'est peut-être ça que nous créons tout festival ça. Nous solidifier, on a acheté des bons partenaires pour nous capables d'avoir une équipe qui travaille là-dedans, qui capable bien promouvoir pour que les artistes noirs soient capables d'avoir une place. Pour qu'elle soit capable de passer figure, capable de chanter, capable de performer. C'est ça, on a réglé, c'est peut-être ça que c'est très important.
Tout à fait, parce que effectivement, et dans la communauté et Montréal ou bien même aux États-Unis, et réalisateur ou bien créateur noir, yo manque espace dans festival, yo, parce que et comme yo c'est un groupe minoritaire, donc li très souvent paraît même si gagne une ou deux, mais yo est sous-représenté. Donc le gagne festival pas yo, yo brille puis bien selon moi-même. Et une bagarre qu'on fait dans festival, yo tout c'est panel, yo gagne pile panel de discussion sous plusieurs et sujets qui intéressants. Par exemple, moi nous gagne panel sous Black Wealth, sous après mouvement Black Lives Matter, qui ça qui change, et comment et justement sous jeunes et noirs, comment capable exceller dans le cinéma au Canada. Pour moi-même, c'est très intéressant. Et merci encore une fois parce que bonne opportunité pour me connecter avec bel monde ça que vous-même ou après pour mouvoir dans le Canada. Qu'on y a, on a les. Voilà. Avant de continuer, je me disais que moi, vraiment, mes studios là, c'est vrai. Ah, faut venir live, m'a pas nous en direct, madame. Ou quoi, madame, vous avez dans Haïti, vous m'avez dit dans studio. Justement. Eh bien, quand on parlait de Fest Wave Institute, qui c'est m'a dit nouvelle aventure qu'on lance au là-dedans, non, puisque tout festival que nous parlons là, yo, c'est un festival qui existe déjà, qui a toute une équipe qui travaille sur à l'année, tout bagaille bien huilé, etc. Mais là, son nouvelle aventure, côté que ou créer un institut qui là pour, je l'ai regardé sur le website là, pour renforcer l'autonomie de la nouvelle génération de professionnels noirs et sous-représentés du cinéma et de l'industrie. Avant nous arriver dans 3 millions, hein, racontez-nous depuis qu'il est au travail sur le projet ça, qui route que le prend jusqu'à ce que l'annonce s'intérieure. En fait, on connaît depuis très longtemps, Karel, nous avons fait des sessions de formation, d'ateliers, workshops et masterclass. Sous la SAE, nous faisons le panel, tout, pour connecter l'industrie, le monde qui travaille dans le cinéma, la télévision, la SAE, pour nous permettre de rencontrer l'autre, pour nous permettre de discuter d'enjeux importants. Mais nous faisons le accompagnement, nous faisons le mentorat, nous faisons le formation, surtout pour jeunes réalisateurs et scénaristes, etc., qui sont dans le milieu cinéma et télévision dans le Canada. Donc, nous, il y a une que nous faisons. Soit nous avons deux types de formations que nous faisons. Nous avons des formations qui sont très très courtes. Ça veut dire que vous venez en l'espace de 2-3 heures de temps, vous apprenez nos bagages et puis par un festival, et puis c'est fini. Ça, c'était avant la pandémie. Nous n'étions pas capables de rencontrer, nous n'étions pas capables de faire en présentiel. Donc, ça, c'est des. Nous avons venu, il inscrit et puis il prend cours là, il est capable de dire comment pitcher, comment faire ci, comment faire ça. Bon, voilà. Ça, c'est un bagage qu'on fait. Mais l'autre gros programme que nous gagnons, c'est un programme qui est Être Noir au Canada. Être Noir au Canada, c'est un programme qui est présenté par Netflix, qui est mes partenaires principalement là dans et puis avec Banque Nationale, et pas mal en paquet d'autres partenaires encore. C'est un programme côté que nous aider jeunes cinéastes noirs, que ce soit dans Montréal, Halifax, Toronto, Ottawa, Calgary, Vancouver, donc les 6 villes canadiennes, nous aider à faire premier film documentaire pour mettre à jour. Comment nous faisons ça? Eh bien, nous faisons appel à la participation, tout le monde inscrit, nous choisissons nous qui a plus capable de faire partie du programme. Ce n'est pas moi qui choisis, c'est un jury qui sélectionne, parce qu'on a entrevue et tout ça, qui a des candidatures. Et une fois que vous êtes sélectionné, eh bien, vous prenez le travail avec les meilleurs de l'industrie dans chaque vidéo pour apprendre, pour écrire des scénarios, pour faire recherche, pour travailler avec des équipes techniques. Avec des équipements professionnels pour faire film documentaire là sur ce sujet qu'ils ont besoin. Et à la fin, le film fin fait, nous mettons en contact avec des monteurs, etc., pour faire montage, etc. Et à la fin, nous passons le film ça dans tout le festival de tout pour nous avoir visibilité, pour nous avoir côté pour nous capable de filmer. Et ensuite, filmer aller la télévision, la majorité d'entre eux. Et puis tout ça. Et une n'importe la télévision, c'est CBC. Vous savez que ça me boit toute histoire, ça, c'est pour m'expliquer. Ça, c'est ma gagne à faire depuis 2012-2014. Nous, juste mettez en boîte qu'on y a, si on a dit comme ça. Comment tu dis? Non, nous juste pour toute activité, ça, nous reformater, le mettre dans seule boîte qui c'est institué. Non, c'est ça? Alors, dit ça? Alors, oui, oui, mais plus encore. Ça veut dire que ça, c'est un gros projet que nous faisons depuis longtemps. Donc, institut qui s'allie, c'est que nous pas gagner trois grands moyens pour toutes deux monde qui gagnent dehors pour formation, pour mentorat, pour toute l'autre bagaille que nous avons. Par exemple, un gros challenge que nous avons.
En pile moun ki gen 35 ans, 40 ans, 50 ans, 55 ans, di nou ke tout sa nan fè la formation an, pou formation, en terme de formation, se bagay pou jen 30 ans et moins. Nou menm, si nou gen plus que 30 ans kote nou brale, sa nan fè nou bezwen aide tout, nou pou fin rive, nou bezwen accompagnement pou nan pi loin. Parce que nou a mi carrière, nou pa émergent, nou a mi carrière. Ouais. Ça c'est vu nan grand enjeu de gen la fondation, hein, pou nou di, ben, on a juste pas les moyens de servir un plus grand public, un plus grand, comme si plus clientèle, lansan sa. Donc c'est une raison qui fait que nou fè longtemps nan pensé sou qui ça t'apprend pour nous monter un institut qui est accessible au plus grand nombre, donc on peut partir online, c'est majoritairement online là qui est, pour que plus de monde ait accès, mais on n'a pas en présentiel dans certaines villes. Et puis, on a travaillé ça depuis un bout de temps pour nous voir comment on est capable de faire ça. Eh bien, nous venons, nous faisons opposition à gouvernement qui a un appel d'offres, qui a besoin qu'on ait, qui gros projet qui a tramé la communauté noyau. Et puis nous-mêmes, nous sommes une dans le monde qui a proposé le projet ça, et que le gouvernement trouve que c'est un bagage extraordinaire qui va changer l'écosystème, qui va aider nous et aider plus artistes noirs. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, mais ça a été un processus assez, assez complexe. Hein? C'est pas comme ça, il y a un blanc, etc. Et c'est de l'argent qui va à la Fondation Fabienne Pola, qui sont structures à but non lucratif, qui ont une équipe qui travaille avec lui dans tous côtés au Canada. Et puis voilà. Donc, nous pensons que ça, c'est un premier pas, Karel, parce que l'Institut, ça va vraiment dans le corps. Ouais. On a embauché un pile monde, un pile formateur, un pile bas, et puis c'est énorme. C'est énorme. Oui, et puis spécialement sous une structure. Spécialement sous une structure online qu'on y a, et li non seulement pour permettre un plus grand accessibilité, mais c'est un pile ressources tout pour update et cours ça régulièrement, faire en sorte que justement plateforme nan fonctionnelle pour tout le monde qui peut venir là-dedans. Mais formation ça yo avec tout l'autre service que offre communauté, c'est des bagages gratis ou bien moun yo payer pour yo et FES with institute là? Je sais, c'est une belle question. Jusqu'à présent, par exemple, beaucoup de programmes au Canada qui chaque année produisent un paquet de films avec jeunes ayo, c'est gratis pour eux. C'est pour ça que je vais chercher un pile partenaire de tous côtés qui pour aider à financer l'opération pour que les jeunes eux-mêmes soient capables de payer. Ouais. Ça, ça va être très important parce que c'est un pile là, même c'est des jeunes qui pas nécessairement gagnent des gros moyens, qui marginalisés, qui sont représentés, qui pas des moyens pour payer un coup comme ça, parce que ça va être de plusieurs milliers de dollars, donc ce serait pas accessible finalement. Ouais. Donc oui, ça gratis, et nous voulons qu'il y ait un pile bagaille dans Festival, 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 gratis tout, mais il y a des bagailles qui feront payer pour le prendre. Tout à fait. Mais là, l'affaire qui arrive, Karel, c'est l'argent qui sortit du gouvernement Canada. Justement. Donc, c'est d'abord pour des cinéastes qui vivent en Canada. Ou même des professionnels, des entrepreneurs qui vivent en Canada. Est-ce que l'autre monde de côté est capable d'appliquer à un moment donné? Absolument, parce qu'il y a des programmes que nous travaillons sur là pour nous voir que est-ce que nous sommes capables d'ouvrir en ligne avec des mondes au-delà du Canada définitivement. Ouais, parce que ça moi qui était intéressant l'a dit ça, c'est parce que vous connectez et faites wave là avec pratiquement tout festival qu'on fait déjà yo. Et c'est pour ça que me fait introduction tout à l'heure, alors tu as parlé de festival qu'on fait yo, pour qui ça qu'on fait yo, qui vient montrer que plateforme pour que jeunes créateurs ça yo là déjà. Donc on y a pour formation que après dans faire wave là, il y a tout connecté avec festival yo. Donc de ce fait comme festival là pas et on cap exclusivement ah, on dit moun ki canadien ou bien moun ka vive et Canada, donc des possibilités d'ouverture à l'avenir. Est-ce que bien fait lecture? Oui, ou ben un bon parti la dernière, absolument. Festival est ouvert à tout le monde. D'ailleurs, nous passons un film qui vient d'Haïti, de États-Unis, de tous côtés, de l'Afrique, de la Caraïbe, de tous côtés. Et pourvu que le film n'a pas talent noir là-dedans, nous même ouvrons à des gens qui ne sont pas même noirs, qui font des films sous réalité noire. Mais nous avons fait formation, nous avons fait mentorat. Alors là, nous concentrons sur réalisateurs, créateurs noirs. Ça, c'est important parce qu'il y a une raison qui fait ça, Karel, c'est que le milieu cinéma canadien, avec télévision canadienne, pas
nous pas bon masse critique de réalisateurs noirs que capable dit bon on a engagé réalisateur ça pour faire pour développer telle série. En pile fois leur gros grosse télésérie gros et bah ça yo que ce soit sur Netflix ou ailleurs aux États-Unis souvent on va dire bon il y a embauché Spike Lee pour faire telle bagarre, il a embauché tel monde faire telle bagarre. Ici là si on dit on besoin font une série côté que même si c'est pour série noire, oui. Mais son série, côté qu'il a cherché réalisateur, mettons que il y a 12 épisodes, mm-hmm. bon, chaque réalisateur fait un épisode, il y a plein 12. Il n'est pas évident qu'on a joué. Oui, nécessairement dans tout le marché pour nous embaucher. Ce que même ça me dit, c'est que nous avons produit. Nous allons produire des réalisateurs qui outillent. Nous allons avoir le talent, non? Parce que j'ai déjà un talent. Tout à fait. C'est juste que y a besoin technique, y a besoin arriver au niveau côté que ok, y a compétitionner sur marché. Donc c'est pour ça nous-mêmes la former le plus possible pour que y a capable de travailler. Mais c'est pas seulement pour réalisateur là, Pierre Carrel. Là pour réalisateur, scénariste, producteur, là pour monde qui besoin créer pour maison de production. Yo, y a pour monde qui besoin exceller dans le montage. On dit même c'est studio montage, on a besoin de faire pour monter. Là il y a un coup pour tout bail ça. On a commencé petit. Pour aller marcher jusqu'à ce que l'institut est capable de... Tout à fait. Donc 3 millions, en fait, c'est son fonds de lancement. Lié. C'est juste pour Edo lancer, parce que je suis certain que le projet a beaucoup, m'a demandé beaucoup plus que ça pour être capable de continuer et faire le rété et sur l'avenir. Ah, ça, c'est ça le mot-clé. Et c'est exactement ça, mais pérennité, c'est pas important, parce que moi-même, par mais comme si pour nous créer des conseils de projets importants d'envergure, après, ben, on a plus l'espoir, puis qu'on commence son travail, et puis nous allons camper en route, il n'y a pas de sens. Donc, c'est une raison qui fait que le gouvernement mettait pour consentir 3 millions de dollars pour que nous capables. Pendant un bon 3-4 ans, là, nous sommes capables de focus pour notre travail, pour notre construire. Et en même temps, nous allons chercher d'autres partenaires parce que, oui, ça va être un bon corps. Tout bagaille en Amérique du Nord pour ton paquet de corps. Il est important, soit dit, parce que, en pile fois, il y a de belles projets qui commencent dans la communauté hein, et puis on ne va pas continuer parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour continuer embaucher une équipe, pour grandir l'équipe, là, pour aller chercher tout ça au besoin. Pas juste en termes d'équipe, mais en termes d'équipement. En termes de tout plein de choses. Et puis nous-mêmes, une chose qui est importante pour le gouvernement, le fond ça, et que dédié à nous, c'est que ben, il faut que ça soit aidé nous, que l'institut arrête de pérenne, que l'y continuer. C'est-à-dire que sur plusieurs années, là, que nous-mêmes, il y a commis pour aider. Tout à fait. Pour ça, nous devons pendant ce temps aller chercher aussi notre partenaire. Ça, très intéressant. Qu'on y a, pour peut-être nous clarifier une série de bagages, c'est que, en pile, haïtien, t'es ouais, cinéma. Et qu'on dit, c'était que vous posez la question, comment qu'on y a au cabinet des cinémas haïtiens? Donc, j'aime comprendre, nous, ça veut dire, c'est pas un bagage qui est impossible, mais, l'institut, ça qui fait créer, c'est pas l'hypoco qui est possibilité, ça. Est-ce qu'on a dit comme ça? Oui, nous avons dit comme ça. Ça veut dire que je ne suis pas capable de venir m'implanter rien en Haïti avec l'institut ça comme ça parce que les financements sortis du gouvernement canadien pour des cinéastes et puis des entrepreneurs canadiens avant tout, bien que cinéastes et professionnels du cinéma de tout l'autre pays, y compris Haïti, capables d'inscrire pour participer à une série de cours qui est capable d'ouvrir pour nous en dehors du Canada. Ça, c'est un show, un bagage. Mais quand il y a un gros programme que nous avons déjà ou que nous allons développer, nous avons vraiment aimé faire ça en Haïti tout. Parce que nous avons dominé depuis des années, parce qu'on nous a dit, mais en Haïti, nous avons bien aimé un programme pour nous capables de faire pour mes documentaires, nous tout, faire une série de bagages, etc. Nous avons tout lancé un appel là, et nous avons frappé pour tout le monde, pour moi, comment nous sommes capables de prendre l'expertise, nous développer depuis quelques années, la Fondation Abenkola, avec programme maintenant au Canada, et puis tant d'autres programmes, et puis tout ça, nous allons faire dans Facebook. Quand on a un peu expertise ça, pour partager avec Haïti, nous avons le programme sous place, localement, qui va être dédié à Haïti. Ça prend partenaire, ça prend sponsor, ça prend et l'argent qui a sauté dans le pays pour ça. Tu vois, donc moi tout lancé appel à secteur privé hein, pour que capable penser à ça et puis m'a contacté un paquet l'autre organisation l'autre boîte tout pour nous voir comment capable faire bagaille. Il pas obligé de même envergure à ça n'a fait Canada, même penser que moyen pour faire bagaille et sous pied pour artistes haïtiens au cinéma haïtien parce que regardez ça Jessica a fait avec Frida. Avec Frida. Et son belle vitrine pour nous.
son belle vitrine pour Haïti, son belle bagaille, il a un peu mon espoir, puis il fait ouais nous différemment. Mm-hmm. Donc pendant ce temps, ça vient montrer que si tu as investi dans le cinéma haïtien dans le pays, hein, côté de ta pied aujourd'hui dans le milieu. Ouais. Donc, si le gouvernement programme n'est pas seulement le carnaval. T'appelais ton petit comme pour cinéma tout. Ouais. Donc, ça nous déloigne. Tout à fait. Alors, moi, je ne peux pas beaucoup dire ça. Je trouve que, et malheureusement, nous parlons politique culturelle, cinématographique en Haïti, et c'est très, très dommage. Et ce n'est pas juste un cinéma, non? On m'a tout dit que la littérature est l'autre pilier de la culture, la culture et support. Mais moi-même, moi disposé pour commencer la conversation avec des potentiels sponsors privés, partenaires, etc., qui veulent avancer. Pour nous, combien comme nous avons mis sous table pour nous capables mener le programme de Haïti. Moi, extrêmement content par rapport à ça. Je connais que son engagement comprend tout et son bagage côté toujours fait. D'ailleurs, vous avez gagné un festival qui est fait à la fois en Haïti. Et vous avez un festival qui était créé justement pour Québec et Haïti, bien sûr, situation pays. Le film québécois en Haïti qui d'ailleurs, et nous pas capable de faire pendant ça. Nous faisons chaque 2 ans à peu près, mais nous pas capable de faire du tout pendant la pandémie. Hein? Et c'est très dommage parce que c'est bizarre parce que 2 ans d'avoir arrivé, mon père. L'année passée. En 2020, et puis même nous-mêmes qui va faire l'année 2021, et puis l'année 2022. Donc, m'espérer que on forum de festival film québécois en Haïti est capable de servir de pilier tout pour établir dialogue, là, continuer à établir dialogue là, entre artistes québécois, artistes haïtiens, et puis ils font échange. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, Fabienne, bien content qu'on porte tes précisions à là. Je crois que Mounio connaît qu'on y a et qui ça que lié. C'est pas. L'argent, Fabienne Bagué, l'argent en mêle pour aider cinéma haïtien et même aider et directement cinéma et canadien, mais c'est juste on l'argent pour créer un institut pour former des mouns et bâiller opportunité pour yon vin plus performant et plus qualifié pour que yon capable de plus représentation dans le domaine cinéma au Canada. Justement. Pour rentrer dans le milieu, pour capable de gagner moyen pour chercher propre fonds et financement par yo. Mon dernier petit exemple vital. Imaginons que au Canada nous font un choix qui est différent des États-Unis par exemple, côté que au Canada c'est le secteur public qui finance le cinéma, OK? Ouais. Tandis que aux États-Unis c'est plus secteur c'est privé, les grandes structures, etc. Donc nous structurons différemment. Donc même gens on est bon, là nous socialistes et puis nous financer santé, nous financer éducation, culture, etc. Donc gagner des millions et des millions et des millions de dollars qui existaient côté que pour tout cinéaste, producteur, etc. Et tout l'autre artiste allait chercher comme pour y capable produire. Capable de faire des films, capable de faire des téléséries, web-séries, peu importe. Mon cher, est-ce qu'on connaît tout? Je ne pas les statistiques exactement, je dis là, mais plus de 90% de monde qui a cherché comme ça, c'est blanc. Ouais. Ça veut dire que minorité visible et encore moins noir, ils n'ont pas à aller faire effort pour la chercher comme ça. Peut-être que ça ne va pas faire. C'est ça que j'ai essayé de comprendre. Est-ce que c'est parce que ils n'ont pas gagné connaissance là? Est-ce que c'est parce que par contre, comment on peut remplir le formulaire? Est-ce que c'est parce que ils n'ont pas accompagné? Eh bien, là, l'Institut Festweb, il y a un programme que j'ai mis sur pied, c'est accompagner une série de producteurs, de cinéastes, créateurs, etc., pour être capable de venir des entrepreneurs parce que leur poil chercher comme ça pour faire un film. C'est un paquet de bouche qui nourrit parce qu'on va l'embaucher un paquet de monde. Tout à fait. Et toute une équipe technique, on va l'embaucher des acteurs, on va l'embaucher un paquet de monde. Donc, ça enrichit nos communautés parce que le monde noir a tendance à embaucher le monde noir qui va le faire ça. Richesse pour communauté. Donc, il y a une priorité, nous, c'est outils, réalisateurs et entrepreneurs, ça y est, on les entrepreneurs et du cinéma et de la télévision. Peut qu'elle saisit opportunité ça ouais tout à fait et en parlant de saisir opportunité puisque n'a parlé de haïtien donc on jeune cinéaste ou bien un monde qui dans domaine cinéma tout court qui d'origine haïtienne qui dans communauté a c'est une opportunité pour lui directement pour l'appliquer pour ça va vrai oh
oui, absolument. Mm. Et puis attention, ça c'est le monde qui vraiment voulait faire une carrière dans le cinéma, dans la télévision, dans le milieu ça, hein, parce que c'est pas un bagage qui passe son passe-temps là. Yeah. C'est un bagage qui monde qui vraiment veut travailler là et que c'est ça qu'on voulait faire. Et bien nous-mêmes, on apprend, on aide, on pousse pour qu'on soit capable vraiment de faire tout son besoin pour capable aller le plus loin possible. Et toi, tu as un couillot gratis parce que c'est peut-être ça qu'on a cherché l'argent pour que justement des gens qui ont besoin pour ça, ils bon bagage. Bon bagage, Fabien. En tout cas, très fier de vous et compliment pour le travail qu'on a fait dans la communauté. Je seulement espérer, bien sûr, que tout ça qu'on voulait faire, ou avez un moyen pour faire, et Haïti a bénéficié, communauté haïtienne, et dans Montréal, au Québec, a capable de bénéficier de lui. Et puis, nous avons tout le reste des programmes qu'on a pour nous pour l'année. Et est-ce que nous avons croisé nous que nous avons fait Haïti en folie en présentiel l'année ça? Mon cher, d'après les nouvelles que nous avons dit du gouvernement, nous t'as supposé qu'on va faire Festival Haïti en folie, en plein air, en salle, en présentiel, normalement. Donc, tout lancé à Berlin, tout le monde attendait là, eh bien, prochain Festival Haïti en folie, à dernière semaine, mois de juillet, dégagez-nous, bouquez ticket-nous, bouquez billet-nous, venez passer vacances avec famille, nous, zami, nous, dans Montréal, dernière semaine de juillet, pour nous capables de venir reconnecter avec Festival Haïti en folie, qui c'est le plus grand festival musical et pluridisciplinaire en dehors d'Haïti. Donc, tellement vie, ouais, mon yo, ma vie, wow, tout. Ma vie, wow, tout, oh, oh, ma vie, oh, oh. Justement, merci beaucoup Fabienne et compliments à toute l'équipe. Ça qui est intéressant, c'est que moi j'ai chance de travailler avec différents branches dans l'équipe pour eux, puisque chaque festival, il y a une équipe différente, il y a des gens qui travaillent sur plusieurs festivals. Moi, ouais, gens que vous admirez, leadership, moi, ouais, le travail que vous avez fait, vous avez une superbe équipe. Compliments encore une fois et puis à la prochaine. Ah, oh, c'est gentil, hein, parce que pas j'aime des feedbacks comme ça sur l'équipe là. Et puis tu sais, au fait, déboulonner en mythe. Là et Karel, parce que quand même, qui pensait que Fabienne fait tout toute seule. Donc, pour faire Dimonios. Non, Fabienne extrêmement bien encadrée et équipe Fabienne extrêmement professionnelle, on point, dynamique. Et une chose que j'apprécie, c'est que ou travaille avec jeunes haïtiennes ou haïtiens qui sont dans la communauté. Même si je me sentais qu'on baille préférence pour filles. Parce que je suis plus fin dans l'entourage, mais c'est OK. Mais quand même, c'est intéressant. Women power. Women power. C'est vrai. Dans toute équipe, Mario Karel, je pense qu'on a, mon Dieu, plus de 80% de femmes. Ouais. Oui. Pas les artistes, pas dans les artistes, mais dans les équipes qui font les choses. Parce que, où qu'on est, Jean-Robert m'a dit, hein, si nous faisons Mario avancer vite, il faut le mettre en position. Parce que mesdames, on fait Mario avancer. Ouais. No offense. Ouais. Gentlemen out there, no offense, moi et monsieur autour, mais vraiment, les femmes sont très bien représentées chez nous. Tout à fait. Et puis, Emile font bon travail, tout en passant. Puisque peut-être un pile monde qui a pensé que Emile pas travail, mais Emile travaille un pile dans l'équipe Fabienne, dans tout festival. Ah oh, oui, il ne dort même pas, le pauvre, là. Donc, vraiment, c'est un vrai bras droit, bras gauche en même temps. C'est extraordinaire. Donc, je suis vraiment bien entouré et je suis content de parler de l'équipement aujourd'hui, parce que il y a un secret succès, c'est que ou pas mal loin son wagon équipe. Yep. C'est très, très, très important. Ou capable de faire rapidement, etc. Mais si vous avez besoin de durer dans le temps, ou besoin de fonds bagarre qui est loin et qui remplit l'impact, faut qu'on entoure dans l'équipe. Qui pour avoir le petit, il est obligé de son gros équipe, mais faut qu'on ait une équipe ou pas capable de foncer le bagarre juste pour corps. Mm-hmm. Et puis, il y a toute la satisfaction aussi de donner du travail, de créer des emplois et puis, solidifier la communauté. Donc, c'est un bel bagarre. Il est capable d'agrandir l'équipe pour une fois, de temps en temps, comme ça. Je devais préciser ça. Il me pensait que. Même si peut-être nous pas faire dans pile dans le behind the scenes, but on l'on bon matin dans festival yo montrer un petit crasse moun qui travaille, parce que yo travaille en pile. Ouais, semaine ça là vraiment base camp là et à pomper activité on fire. On fire. Mais je te remercie aussi Karel, parce que c'est pas tout le monde qui connaît comment qu'on fait partie de l'équipe nous en connaissant là tout et d'une certaine façon, parce que ou collaborer en pile behind the scene avec tout côté technique en pile bagaille qu'on a fait, puis nous très content de travailler avec vous, collaborer avec vous. Puis j'ai seulement un bon review et dit Karel est extraordinaire, il est gentil, c'est passé
facile de travailler avec lui, toujours bonne solution, etc. Donc ça, c'est magnifique. Et ça montre une chose aussi. Quand tu es excellent dans ce que tu fais, tu vas finir par rentrer dans tout côté, tout marché, tout bail, parce que l'excellence, ça ouvre plein de portes, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup, Fabienne. Et puis, à la prochaine. Et pour toi, moi, l'autre jour, je ne vais pas prendre encore. Je devrais dire ça pour me finir l'interview. Moi, je dis d'avance. Merci beaucoup. Et puis, bonne semaine à toi. Et bon travail. Bye bye. OK. Bye bye, Fabienne. Bye bye. Merci, d'accord. Pas de problème. Bye bye.